qui pourrais se comparer, à qui pourrais se comparer, que vous serez là qui vous faites reparler. Donc, on peut dire que vous avez un diarrhée, autant d'abonnés, autant d'Angulia, autant d'Amakaki, donnez mon petit à Kimia, donnez mon petit à Niota, alléluia. Que sortir du thème à Sotona, que sortir du thème à Lisson, que sortir du thème à Lisson, que sortir du thème à alléluia, pour les attendre, pour que tu puisses attendre, alléluia. Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
tuko kumisa nzambe kuna nyobato yuko yuka Seigneur, vous allez nzambe, vous allez kolona nyonso dibelo zete vous allez vivre kaka na dilei vous allez visiter mais vous allez vivre pey na yoma na yon nzambe tika yon mabon toko yuka nzambe et nous a koni maraviso moto ti tango na boko la yo Yesu zala ebe ti ka Dios de la pona lo komo la yo na komo la Yesu amen 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 est-ce que tu peux saluer deux ou trois personnes le grand comme que shalom a dit à quelqu'un shalom qui n'a un dame de la yo soyez les bienvenus d'être dans la maison de Dieu David a dit je suis dans la joie. I rejoice. Quand on me dit, when they tell me, allons dans la maison de l'Éternel. Qui vient de la terre, répétant encore bien. David a dit, je suis dans la joie. I rejoice. Quand on me dit, when they tell me, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la joie d'être dans la maison de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la joie? J'aime la joie. La joie se manifeste par des sourires. Alléluia. Et la joie se manifeste par des danses. Alléluia. Et la danse est un mouvement du corps. Et à moi, il y a la présence en Zambie. Alléluia. Voilà. Et la joie se manifeste par aussi des cantiques. Alors ici nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons accorder pour Jésus. Nous devons pousser des cris de joie. Pour le roi de roi. Le Seigneur. Le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, si on peut s'asseoir. Oh, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons prendre nos Bibles. We may be seated and we may take our Bibles. On va commencer dans Jean chapitre 9. We will go to John chapter 9. Verset 4. Verset 3 plutôt. Mais tel m'a dit cela plus dans Matthieu 5. Donc ça sont des versets d'appui d'introduction. Matthew 25 is like the main verse, but we're going to go in John chapter 4. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. John chapter 9. Jean chapitre 9. We can read it all together. Si on peut baisser le volume pour éviter des échos dans ce micro, s'il vous plaît. If you can reduce the effects in this microphone. Jean chapitre 9, verset 4, Bible le dit. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, tu peux dans Romains chapitre 13, verset 10. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. John and Romans chapter 12. Romains chapitre 13, verset 12. Romans chapter 13, verse 12. Romains chapitre 13, verset 12. Romans 13. Il nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. The night is nearly over, the day is almost here, so let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Et on va encore aller dans Jean chapitre 1. And then we go to John chapter 1. Verset 15, Jean chapitre 1. John chapter 1, verse 15. Jean chapitre 1, verset 15. John 1, verse 15. On va dire Jean chapitre 1, verset 15. La Bible dit. The Bible says. Jean chapitre 1, verset 15 à 24. John 1, 15-24. Jean lui a rendu témoignage et s'écria, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il est avant moi. Verse
Et on va sauter pour gagner du temps. We'll skip the verse, the rest. Dans verset 19. Verse 19. Voici le témoignage. Jean chapitre 1, verset 19 à 20. John chapter 1, verse 19 to 24. Voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu ?» déclara, et sans instruction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu élu ?» Et il dit, « Je ne suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Et lui dit alors, « Qui es-tu ?» afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. Voilà, et puis on va continuer dans Matthieu chapitre 25. I will end in Matthew chapter 25. Matthieu chapitre 25. Matthew chapter 25. Connaissons cette parabole. Matthieu chapitre 25. Le verset 1 à 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. J'ai dit. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Celle d'entre elles était folle et sainte sage. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec eux. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Le fol dit aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous, pendant qu'elles allaient en chez les poivres. » Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Elle répondit, « Je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » The reading was Matthew 25, verse 1 to 13. Si nous pouvons asseoir, que le Seigneur nous dise sa parole. Alléluia. Bien-aimés, Matthieu a mis sur le titre de nos alliés était l'Église à la rencontre de l'époux. The church and meeting the bridegroom. Et entre parenthèses, le cri de la nuit. Or the cry of the night. L'Église à la rencontre de l'époux. The church and the meeting. L'époux est allé Christ lui-même. The bridegroom is Jesus. Donc je pourrais dire l'Église à la rencontre de Jésus. So you could say that the meeting of the church with Jesus Christ. Entre parenthèses, le cri de la nuit. Or the cry of the night. Ah, pourquoi ce terme? Why this theme? Ce terme c'est très important. This theme is very important. Parce que ça nous parle du retour de Jésus Christ. The return of Jesus Christ. Le retour de Jésus Christ. The return of Jesus. C'est un grand thème dans le christianisme. It's a great theme in Christianity. Malheureusement, ce thème est moins prêché ou mal compris. Unfortunately, this preaching is misunderstood or not preached. Pourquoi? Parce que des fois, thème où est-ce que ça va tout misusuté? Why? Because if this thing doesn't please other people. Il y a plusieurs raisons. There are many reasons for that. Parce que souvent, la base nous prête. Other people feel they're not ready. Alors, bah, tu sais, t'es même allé nous dire, oh, mini. And other people love this world so much. Oh, mon, la cause, on a ma château, on a tout. Ah, yes, toi, y'a bon, on a vieux, on a un otika. Oh, if Christ comes, then I have to leave all the stuff that I already mais have. Mais vouloir ou pas, toi, l'inaté, yes, on a raison. Alléluia. C'est pourquoi le rôle d'un pasteur, c'est de préparer l'église à la rencontre de Jésus-Christ. Prepare the church to the meeting of Christ Jesus. Alléluia. Amen. Alors, Jésus-Christ, le ministère terrestre, d'ailleurs, a fait si ma prophétie biblique est belée concernant le retour, d'ailleurs, précisément à partir de Matthieu chapitre 24, 25. Especially in Matthew chapter 24 and 25. Et dans Matthieu chapitre 24, in Matthew chapter 24, verset 1, verse 1,
À 3, c'est là où je commence mon introduction. Yeshua a mis la temple à Jérusalem. Allez dit la vallée à Cédron. À quelle montagne à Olivier. Et là, ma disciple est là. Aux hommes de la montagne à Olivier. En face à l'eau. Aux hommes de la montagne à Sion. Et si dans le temple, il y a Salomon et Zalaki. Alors, ma disciple a dit si Yeshua. Parmi quelle beauté il y a temple haut. Quelle belle architecture. Dans le Nako et Kitoko. Il y a Kitoko comme le cas. Alléluia. Alors, tant que nous avons attiré l'attention à Christ. Mais regarde, cela qui est différent, là, regarde, il n'y a pas tout. Dans le Nako, on voit la beauté à temple. Mais Yeshua est là. Beloved in the Lord. C'est vrai que Jésus-Christ étant Dieu. It's
qui se réchèrent. Mais des fois, langage n'est pas aussi un langage prophétique. Yesu a comme la bango, mais a dû tenir compte des circonstances. Père, tu es le juif. A parlé à vos paroles, Oyo. Au travers d'une illustration, il y a le même fait qui est dans la Ezalaka. Through an illustration of how a feast takes place. La tradition juive, in the Jewish tradition, if the man is married, c'est vrai que la mange, parce que les 11 nous aurons aussi notre fête. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, dans la fête, il faut toujours avoir un tenue approprié. Tu veux dire, Mathieu Bernier, cet homme qui n'avait pas la vie de fête, on a dit non. Alléluia. Et donc, Yesu a tiré image à la culture juive. Pour la culture juive, la moment est libre. C'est vrai que la journée va passer à Isabelle Bobina. Mais la tête à un moment, l'électricité, c'est vrai qu'il était déjà dans un moment. Et comme on avait mis dans la balabala, pas pour Bobina, à tel point que vous pouvez peut-être l'impact de Bob. Électricité, lumière, l'électricité d'un produit. Now in our time, due to electricity, it doesn't matter if it's night time because we can see things clearly. Mais la terre, vraiment, vraiment, l'électricité n'était pas encore découverte. But in their time, electricity wasn't discovered. Imaginez cela comme il n'a pas quoi. Imagine when you reach. Darkness comes heavily. Alors ce que m'a fait, tu n'as pas les airs qu'on les candeliers. So how did these parties continue? Marriage. Moi si. The woman. Ton fiancé. He did his parents' home. Sinon, and so the husband, a cause cortège, the future husband would take the moment of fille d'honneur ou garçon d'honneur. At our time, we can call bridegrooms or bridesmaids. Alors, mon mari est là. And so the man to be married, accompagné, he will be followed na bateau. By the groomsmen. Précisément, ma fille. Especially the women who were virgins. The men's groom who were also virgins. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tant que vous pouvez accompagner mon mari à l'Ibana. So when these people would follow the man to be married. Et ça pour moi qui était pas venu au tout dans la cour là, papa Bokio. It was for all of them to go to the in-laws' house. Souvent dans le temps qu'on a la barbe dans mon lit. And as they're walking in the night. All the people that are following the man. They must have their lamp. They're coming as a group. To the house of the in-laws. So that the woman or the fiancée, she will come out. And she will meet with the man. But for you to be in the group, you must have your lamp. And your lamp. La question que je peux me poser cet après-midi, est-ce que ta lampe est-elle allumée? Tout le monde, est-ce que moi, dans nos airs, copé là? Est-ce que moi, dans nos airs, copé là? Oh, tu m'entends pas bien, bien aimé. Est-ce que moi, dans nos airs, copé là? Alors, si on s'en va même, il y a une courante pour moi, dans le couffin. Mais nous avons besoin d'opportunités, Père. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur. If your lamp is on peut you cannot be amongst the married man. Alléluia. Alors Jésus a tiré cet enseignement. Teaching. Pour la compense à un message d'avertissement. Na église de ma chrétien. The church or to the Christian. Le même église de préparé. How we can prepare ourselves. Pour meet with Christ Jesus. Pour être dans la surprise. Alors la quatrième parabole, on va parler de 10 vierges. 10 vierges. Et ça, image, il y a des chrétiens. Mais parmi ces 10 vierges, et ça, il y a deux catégories de chrétiens. Alléluia. Malheureusement, que la vierge sage, la vierge est folle. Alors, on a tout le monde sous le monde, on a la catégorie. Are you in? Hallelujah. Which side do you belong?
Your neighbor that you're from the other side. So there are two categories of Christians. Where all of them. They are waiting for Christ to return. But in the coming of Christ. It will be known who was prepared and who wasn't prepared. Who has the lamp that is dead? And to whom the lamp has already died? Who is the true Christian? And who is a false Christian? My prayer is that we are the true Christian. Hallelujah. When Christ is present. So, if Christ is not the person, it means darkness is there. If you hear me well, I'll repeat myself. Because Jesus Christ is the light, I am the light of the world. Where he is, there is no darkness. If the person accepts Christ, he does not walk in darkness. Hallelujah. It is day. Il fait jour, la journée de la physique, mais la journée spirituelle. Parce qu'il fait jour la vie à moto. Dans le lien soit la bombe à moto. Mais ce qui est soit la terre. Christ is not there. It is darkness that is there. Jesus said, night is coming where no man can work. If night comes, no man can work. What does this mean? This is the time to serve God. This is the time to change. Afterwards, it will be too late. Do not believe in Christ.
l'église à Rome. And Apostle Paul was speaking to the Romans. À la nuit était, la nuit est avancée. The darkness has advanced. Mais le jour est proche. The day is coming. Dépouillons-nous. Let's put aside. Des œuvres mauvaises. Of evil works. À la nuit était boutou et poussali. That darkness has prolonged. Vous avez dit boutou, hein? You know, night time. Butu na mokili oyo eza une image ya mokili oyo rejeta Christ. Night time represents here in the world the people that rejected Christ. Eza image ya moto aza éloigné na Nzambe. Image of man who separated. Aza ignorant na makambo na Nzambe. They are ignorant to the things of God. Apotre Paul alobaki ete butu epusani. Dark night has prolonged. Mais jour ekomi pembeni. But day is coming. Jour ekomi pembeni ya nini? Eza jour ya retour ya Christ. Pourquoi? Parce que le jour est proche. Is near. Maman, il est comme le temps où elle est mais tu n'es exactement tenté. The issue is that time is approaching, but we don't know the exact. Alors, dans quel dia oyo? And so the disciples, dans quel dia oyo? For these 10 virgins. The Bible says. C'est préparé qui soit disant. That they were prepared. Pour la rencontre d'un homme qui est Christ. They had prepared themselves to meet with the bridegroom who is Christ. Alors, dit, and the Bible says. Pendant que mon bal arrivait, ils allaient contacter pour y aller. As the husband was delayed to come. C'est vrai que le retour à Christ est comme si ça vous tarde. It's true, is it the return of Christ? Pour la suite, pendant que la porte, 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 Christ is coming, but he's not yet here. So why is Jesus taking so long to come? Oh, because he wants all mankind to be saved. And for all of them to go to the repentance. That's why Christ is coming. You can see that the church is not ready. Hallelujah. Amen. But as Christ is delayed to come. Ça c'est mon interprétation. This is my own interpretation. La portée de l'accomplissement de la prophétie biblique. In reading into the biblical prophecies. La Bible va toujours vivre le temps à prolongation. I believe that we're living in a time of prolongation. Oui, et nous allons accorder encore un peu de temps pour la bateau. God is still giving a bit of time. Va saisir ce temps de la grâce. To seize this time of grace. Alors comme Christ a tardé aux hommes. The Bible says in the middle of the night. Au milieu de la nuit. In the middle of the night. Alléluia. Amen. Dans butu et kokati, when a night approached. Bible le dit ba di vierge oyo balalaki. The Bible says these 10 virgins were sleeping. C'est-à-dire naba oba zalaki sage. Those that were wise. Naba oba zalaki sage and those that were not wise. Bazaka na point comme un mokon. All of them slept. Kolala, c'est le sommet spirituel. Sleeping is a spiritual sleep. It's that spiritual sleep. Ils ont frappé l'église dans ce temps et à pauvre et à pauvre et à Yesu. Sommet spirituel est un relâchement. Spiritual sleep is. Oh, Yesu, comment t'arrives à venir dans ce salamanda? Christ is taking sleep. So let me just do whatever I want to do. Alléluia. Alléluia. Amen. Sommeil spirituel. Spiritual sleeping. Et dans spirituel. The image of spiritual is can represent spiritual. So have you ever seen a person sleep and work? When a person is sleeping, they forget the word. Alléluia. Sleeping is not bad. Sommeil physique est important. Physical sleep is important. Because it's a mais avant de nous but here we're speaking of spiritual sleep. Alléluia. C'est-à-dire mon dos est chrétien comme le sommeil spirituel. A Christian who is spiritually sleeping. Alors chrétien là éloigné dans un mais. A Christian who are far from God. Un chrétien dans le sommeil spirituel. A Christian who is spiritually sleeping. As an état, y a paresse spirituelle. They are being spiritually lazy. Parce que because the person who is sleeping. Someone who is sleeping, have you ever seen someone who is
someone sleep and pray. Someone de la nuit en même temps sans vous cela. Non. Someone sleeping and they're still doing tasks. La no. Beloved, wake up from your sleep. La nuit est avancée. Le jour est proche. Il y a ce minute que tu m'as envoyé. À coup de la colala. Alors il y a des secrets dans la vigilance. Matthieu chapitre 22. L'histoire de Gethsemane. The story of Gethsemane. Yes, Christ went to pray. Mais he saw the disciples. They were still sleeping. Alors, he said, watch and pray. Afin que vous ne pouvez pas. So that you may not fall. Que vous ne pouvez pas tomber dans la tentation. Temptation. Frères et sœurs, par Christ appelé, oh la bétine Bakou, oh la Nico Sambelate, et ça était à sommeil spirituel. Alléluia! Pourquoi ce niveau Christ de quoi est la tentation? Parce que spirituellement, aux êtes vigilantes, aux autres conveillantes, alors on a dit après-midi, alors, ma prière que le Seigneur envoie le Saint-Esprit, parole, malala! La nuit est avancée, le jour est proche. Bien soit coupé la colère à la tête. Alléluia. Vous allez toujours chrétien éveillé. Éveillé la prière. Éveillé dans votre la Bible. Éveillé dans votre ensemble. Éveillé dans votre salle ensemble. La soif vivre la retirée. Mais là, c'est l'objectif de mon corps. La bonne est la retour à Christ. La bonne est mon colonne. Il y a ce que l'on a eu en paix. On a son chrétien. Garde ta lampe allumée. Keep your lamp lightened. 10 vierges, 5 sœurs, 5 folles. 10 virgins with the 5 wise, 5 foolish. Which category do you have? Alors, parlez à l'église et l'allée. And as the church is sleeping. Anderson, I'm sorry for my dear. What's that? Bouge him a little bit. Bouge him a little bit. Anderson, I'm going to bouge. Beloved. As the person is sleeping. The other people, when they sleep. You must wake them up. But the people, they sleep. They sleep very, very well. Alleluia. They have an appetite for sleep. Alleluia. Alors là, il va y avoir quelque chose à quitter, bébé. Mais tu as pu sur alors, pour dire que tu es pas capable. Et pour dire que tu es pas capable. Mais 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 tu es pas capable. Is the one who helped those Christians. Because if there was not that cry with the wife and the village, all 10 of them were not in the church. That's why the church is here. Here is the power. Here is the power. Here is the power. The Christians must cry. Because
because the person is crying out. Alors, préparez l'église à beaucoup d'analyses. They're preparing the church to meet. Mais non, mais c'est pas une autorité. But it's not given to all men. Vous êtes Élie ou Jean. You must be Elijah or John the Baptist. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Jesus says. Prophétie Élie. Prophecy says. That in the last days, Elijah will return to bring back people's hearts to God. Alors, dans le Nouveau Testament, and in the New Testament, John the Baptist came. So he came as a new form of Elijah. Because he was wearing clothes from the skits. He was outside society living in the desert. He doesn't eat like everybody. People don't know that they eat 365 days a year. They eat morning and noon and night. But John the Baptist said that he was in a mission. He was eating food and eating honey. He was outside of society. And so the Bible says, because his ministry has such an impact with the Pharisees. They heard the noise from Jerusalem. The followers will no longer pray in the temple. All of them have left to follow John in the desert. But John had preaching that didn't please people. But he had the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And the Pharisees were not happy. They said, let's go and ask him. They came to John. They asked him, are you the Christ? Jean said, no. He said, no. They asked him, are you Elijah? Because we know Elijah was come back in the end of time. He said, no. They asked him, are you a prophet? What did he say? I'm the voice. He said no. But yet he was a prophet. Hallelujah. Amen. He didn't say, you don't know who I am. Don't you know my father Zachariah? Do you not know the way I was born? Why are you asking me? Who doesn't know that my father is here? Just for me to come to the world that Gabriel spoke. People who are filled with the Holy Spirit. They run away from honor. They didn't want the Holy Spirit. Preparing the way of the Lord is preparing the hearts of the children of Israel, preparing their hearts so that they may accept Messiah, Jesus Christ who is coming. How did he prepare their hearts? By message. What was the message? It was the message of repentance. The soldiers came. He said, what should we do to enter the kingdom of heaven? He told them, just be content with the money that you've been given. And stop corrupting.
who has not been a victim, especially of the police in Africa. Have you ever been, if they ask, you're meant to give your identity and now they're asking for your baptism? Hallelujah! Alléluia. Qui sont des amalamo. Being a soldier is fine. Mais being a soldier, alléluia. Fear God. Alléluia. Amen. People, the Pharisees who so prayed came to him. Jean-Baptiste a lobby, race de vipère. John the Baptist called him a race. Il vous a dit de la colère à venir. Oui, ma pharisien, hein? Did you know the Pharisees? It's true. Jean a peigné le de vrai vipère. John the Baptist truly called him a vipère. You know what a viper is? When they want to bite a person, they have a venom. Their venom hurt Christ. They said you're a carpenter's son. If a pastor preaches this message, people will run away. But when God speaks, he tells the truth. The truth hurts, but it helps us. Proverbs 17:17 says, there's a friend that lives at all times. But somewhere along the lines of saying, a best friend is the one who tells you the truth. Même si on essaie, even if it hurts you, for you to lift your head and my stop the life that you're living. For you to enter it, you walk like this. Don't be intimidated. If you're not I will say to you, you must cry. That's why people crying out in the night. It's just John the Baptist. Those who are not Abraham said, Pharisee said, will you pray? Have you ever seen if there's a fire, the forest, how the snake is happy to bite people? But when there's fire, the way they die, the devil is a great coward. If they set the forest on fire, you will see that there's always a small river. Because the rivers allow the roots of the trees to take in water. And so the thing that will stop the fire to go from the other side is just the river. And if they put the fire in the forest, where the snake was in the forest, In your family. When they go to the other side, they're even angrier. We let the fire, so here. What does it mean?
ministère à Jean-Baptiste. The ministry of John the Baptist. Ceci nous aide à préparer Batu. His desire was to prepare people's hearts. La seule façon de préparer Batu. The only way to prepare people's hearts. Il a fallu être un message pour je vais dire. Preach the message that would change people's lives. Pour Batu, vous êtes prêt à croire en Jésus. So that people may be ready to accept Christ. Le vrai problème posant à vous. The true problem that we have. L'Église, est-ce que nos vies sont réellement changées? Are our lives transformed? Is our life really transformed? Hallelujah. They said 10 virgins. Mais cinq. But only 5. Bah, pourquoi? Only 5 others did not meet Christ. Parce why? Que, bah, vrai, because they were fake. Ils étaient des faux. They were fake. Frère, ma prière. My prayer, beloved. Salut, mes hommes, dépend de la pasteur qui est dans vos équipes. Et si tu as that's what matters. Alléluia. Alléluia. Amen. People were coming, but the worry of John the Baptist was for people to change. In the midst of the night, there was a cry. Beloved, at the time of the return of Christ, the church must cry. Christians must cry to warn that Christ is at the door. If you have a friend that's walking in bad so way, if you don't tell them the truth, aux accomplices, you're an accomplice. Alléluia. Et c'est des vierges. And those 10 virgins, image à de vrais et de faux chrétiens. The 10 virgins are the image of the true and fake Christian. Christ a donc tardé aux hommes. Christ is delaying to come. Sommeil spirituel s'attrape l'église. The spiritual slumber is happening in the church. Et on vous dit de la chrétienne tout comme un lourd. That's why Christians were too heavy in the things of God. La prière que le Saint-Esprit my prayer is that the Holy Spirit may make you grow, that you may begin to grow, that you may be active in the things of God. Alléluia. Amen. Et le Seigneur. And so beloved in the Lord. When the voice cried out, here is the bridegroom. The Bible says, all the virgins woke up. The good thing is all of them woke up. At the end of the preaching, the Bible will wake up. I won't wake you up, but the Holy Spirit will wake you up. Because you took too long in your sleep. When they woke up, they looked at their lamps. With the 5 wives, their lamps were still enlightened. But the 5 foolish, their light was gone. Hallelujah. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. It wasn't bad, they asked. They asked the others to help them. But the wise refused. They didn't do that either. Because they were really wise. Because they also had the oil with them. If they shared out the oil, all of them would have had just a little bit of faith. And all of them would have finished. I would like Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom.
un mot. But after that, behind it, inspiration qui les a cachés. What is the inspiration behind it? Parce que Dieu l'a dit, au temps de la fin, Antichrist va être humilié, va recevoir un miracle, mais il ne peut pas le séduire par Élie. Pasteur, vous êtes en Nigeria. 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 Vous voici behold, le miracle the miracle that will follow. Attention!
Voici les poules d'Adam-Lope. Allez, attention. Voici les poules. Don't come with the anointing of another person. Come with your own anointing. But there's no anointing, the lamp won't be lighted. Before you pray, the musicians will sing and sing to prepare you. I will praise God. Keep your lamp lighted. If your lamp was left, God, Jesus will say in the company, I don't know you. Christ is coming back. We're in a time of confusion. The spirit of the Antichrist with false teachings is ravaging churches. Everyone has their own idol. You come to church, you don't trust in your pastor. You have trust in your pastor in the corner. Here you just come to observe. It's not bad having connections with other men of God. But my desire, look to be completed. Have your eyes set on Christ. Ta parole, your word est une lumière sur mes sentiers et une lampe à mes pieds. La lumière, la lumière au danger, la lumière au parcours, la lumière au sommeil. Les lumières de Koufa, au temps de la mort, les lumières au parcours. The one who is lamp of light. Do you know the characteristics? Because they're already spiritually speaking. If they're in a party, they don't know that they provide the church. The flesh is happy, until they will shut the doors of the party. But the one who is in their lamp of light, what time is it? 2 hours? Lighten. In the middle of the night, there was a cry. Here is the bride. The ministry of Elijah. The children of Israel lost the role. The role of Elijah. Bring back the people into the path of God. The John the Baptist. If a brother or sister that has been wicked, they're not coming to church anymore. They will bring them back to the way of God. But the Pharisees, they pray. They would say, that's their own problem. Alléluia. Amen. On a besoin d'Élie. We need Elijah. On a besoin de Jean-Baptiste. Mais pour être un Jean-Baptiste, to be a John the Baptist, il faut être revêtu du Saint-Esprit. You must be filled with the Holy Spirit. Le Saint-Esprit vous encourage dans la vérité. The Holy Spirit will parce qu'il y a l'Esprit la vérité. Because he's the Spirit of the truth. Le Saint-Esprit est éclairé. The Holy Spirit will enlighten you. La nuit est avancée. The night is prolonged. Le jour est. The day is coming. The return of Christ. Jesus will determine who prays the truth or not. In this aisle, I don't know. Only God knows. Only God knows. But you will know if you are true or false. But you will know whether you're true or a false Christian. You know, only thing you can know if you walk in sin. If you're walking in sin. Because the sinner, because
sin, it will distinguish your lamp. It will extinguish your lamp. Alléluia. Garde ta lampe. Keep your lamp. Allume. Light it. Ma futa. The oil. La partagerai à moi. Is not shared. C'est-à-dire que moi, c'était mon bali d'Aoué. Il n'y a pas de vie, mais... Mais quand vous êtes sur Roya, à mon nom, ma camarade, je suis dans mon arrêté. N'allez-vous, moi, c'est l'arrêté. N'allez-vous, mon bali d'Aoué. Mes prophéties, elles l'ont dit. Dans la salle des bala. Mais mon colonne, mon peuple soit là. Mon peuple dit qu'à là. Mon peuple soit là. Even if we were in the it's God himself who put you as one, but this is a different matter. Alleluia. Ne soyez pas comme la femme de Lot. Don't be like Lot's wife. You accepted Christ, go forward. Don't be distracted. Look back in the distraction of the world. I pray you to be John the Baptist. Don't encourage people in the way of God. Don't be a person that discourages people. Where are you going? Ah, there's one. Oh, those churches. You know the Christian, the pagans criticize very, very well. Why? Because they're influenced by demons. Because they don't know. Because demons fight against the church. But a true Christian. Daniel. They're like Daniel. The people who will know their God will act with fervency. Because God is the God who is delaying for you. Because he wants all man to be saved. Jesus is the one who knows where you go. He knows where you stay. He knows everything that you do. Si vous entendez ma voix, même si if you hear my voice, don't harden your heart. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit te touche. Prends la décision de changer d'avis. Obéis à Dieu. Obey God. Seigneur, là où la lampe était éteinte, par ta grande miséricorde, by your great mercy, je prie que l'huile puisse couler comme dans la maison de la veuve de Sarepta. Oh Seigneur, Élisée a dit à cette femme d'aller emprunter des vases et les pénuries qui restent soient déversées dans des vases. Ma prière ce soir, oh des pénuries qui sont dans l'église, Seigneur, déverse les pénuries dans chacun afin que nos lampes soient allumées et ce ne s'éteigne pas. Elle doit être des Jean-Baptistes, des hommes et des femmes, men, qui disent who cry out, que Christ est à la porte. The Christ is at the door. Bénis ta parole. Bénis ton word. Père. Bless your people. Dans le nom de Jésus, nous laissons nous disons Amen. Amen. Nous l'avons le Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en puissiez pas. La Bible ne dit pas si vous
Là, le but, c'est de comprendre. Celui qui ne comprend pas la parole de Dieu doit demander la compréhension par le Saint-Esprit. Et Dieu peut savoir. Nous sommes arrivés au moment des offrandes, des dîmes. Je vais rapidement lire un passage. Est-ce qu'on peut être beau avec nos dîmes d'offrandes? La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 9, au verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu est content quand nous avons nos offrandes, mais il nous dit une chose, la résolution doit venir du cœur. Cela doit se faire sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu avais amené ta dîme et que tu te sentais forcé, si tu n'avais pas la joie de donner à notre Dieu cet après-midi, la chance de te donner pour nous de se prier et de rectifier tout ça. Nous allons lever nos voix et prier sur nos dîmes, nos offrandes, sur nos actions de grâce. Et au nom de Jésus-Christ. Alors, ce petit frère, c'est un très petit Seigneur, la Bible nous dit, c'est pas une chose d'assément sur cette image, mais de faire pour cette nature. Seigneur, ce que nous amenons dans ta maison ne vient pas de nous, mais vient de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes tous les deux prêts de nous présenter devant toi, Seigneur, avec nos enveloppes de vie, de France et l'action de grâce. Et nous prions, Seigneur, que nous puissions accepter de nous prendre ces livres et que nous puissions les bénir et les bénir. Si nous étions venus cet après-midi, Seigneur, on n'est pas encore saisis, si nous n'avons pas la joie de donner, Seigneur, nous demandons que tu puisses nous parler. Et que, Seigneur, si tu sais offrandes et ces prières, tu as accepté pour toi. Bon, on va partir pour toi. Nous avons été priés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Porque te dice un beso con pan, que se posee a tu vida, aleluya. Aleluya. Kumama, thank you.
Thank you.
Seigneur, nous voulons s'approprier à ta parole, comme dit, tu honores ce qui t'honore. Seigneur, nous t'avons honoré ce matin, nous t'avons donné nos dîmes et nos offrandes et nos actions de grâce. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous voir, Dieu, que tu bénis, Seigneur, toute main qui a pu donner dans les paniers, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, toi qui es le Dieu de multiplication, multiplie, Seigneur, de nous voir la source de provenance, afin que prochainement nous puissions te donner. Ceux qui n'ont pas pu donner, Saint-Esprit, nous te prions, convainc encore les cœurs et apprends-les comment donner Jésus dans ta prison, dans ta maison. Seigneur, que cet argent puisse être à l'avancement de ton œuvre et que, Seigneur Dieu, cet argent soit béni dans le nom précieux de Jésus-Christ, dans le nom précieux de nous. Amen. Amen. Les religions pour les communiquer. Pendant qu'on a pour la gloire de Jésus. Glory be to God. So we're acting now in time. But first of all, we'd like to thank the man of God, Pastor Jipe, for the message. That was powerful. It blessed us. It's like a bell that's ringing in our hearts. So we must repent. But we must be ready. Because that day, when a trumpet rings, that everyone may go. And all of us Amen. Christ took them. Amen. Amen. Alors, nous sommes l'église la puissance divine. So we are Divine Power Church. Alors, chaque dimanche pour la culte d'adoration. We're here every Sunday. De 11h à 15h30. From 11 to half 1. Alors, le mercredi. On Wednesday. C'est la journée à jeûne et prière. We pray and fast. Alors, nous sommes à 3 séances. So we have 3 sessions. Dans la première séance de 10h à 12h30. The first one from 10 to half 12. Alors, deuxième séance va être de 15h à 17h30. The second one The second one is 3 to half 5. Excuse Alors, me. Pendant cette séance-là, so during that session, nous avons étude biblique. We have what we call Bible study. Here in the church. Alors, troisième séance, so the third session is 19h à 20h30. It's from 7 to half 8. Alors, on va les culte de la semaine. So that's for during the week. Alors, le jeudi, on Thursday, nous allons à centre d'évangélisation à Balbriggan. We have an evangelization center in Balbriggan. Et bien, on aura de 18h 10 à 20h. It's from 6 to 8. Alors, pour la vendredi, for this Friday, le programme est à. Il y en a par les amours annulés. So the
Center in Davis Council. Because this week on Friday, Saturday, and Sunday, we have 3 days of retreat. So we do a retreat every end of the month. So we'll start it from Friday, Saturday, and Sunday. That's why the service in Davin is cancelled. On Saturday, we have choir practice here in the church. Another announcement is, like we know, the 11th of August, we have a wedding here in the church. So we're asking for everyone to contribute for the wedding. So like we're talking about wedding, the man of God, Pastor Jipe, is asking for the mothers and fathers, les parents, parents, dont les filles, les fils seront des filles d'honneur ou des garçons d'honneur. Donc, ma fille d'honneur, so the bridesmaid, ou ma garçon d'honneur, or the papa, their parents, pastor asked them to stay back after the service for a small talk with the pastor J.P. So whoever's bridesmaid, the parents are asked to stay back after the service for a small meeting with the pastor J.P. So another announcement is that we know that he lost his mother. So he is thanking the whole church and everyone in particular for their support that we showed him during the death of his mother. So after the service today, so this was announced last week, we have a couples meeting here. So couples meeting after the service. So when the service is finished, we have a rest for 20 minutes. After, we meet back here in the church for a couples meeting. So family meeting. Alors, les célibataires, so single people, ceux qui aspirent au mariage, those who want to get married, all those who know that soon they'll be married. All those that agree to be married. So you are also invited in the meeting. So Saturday, the 4th of August, here in the church, so we'll pray for the fathers of the church. So the fathers of the church, the fathers of the church will be here in the church. The 4th of August, a Saturday, à partir de 6h from 6 a.m. à 8h to 8 a.m. Donc je dis 6h du matin, 6h à Tongo, 6 a.m. in the morning to 8 a.m. Donc tous les papas, all the fathers, invite la séance à prière, I invite to that prayer session. Alors nous allons prier pour nos finances encore une fois. We'll pray for finance once again. Et aussi pour nos mariages. And also for our marriages. Alors tant que papa, so like a father, as a father, nous devons être à la brèche de nos finances et de nos mariages. We must be in charge of our finances and our marriages.
Alors, communiquer aux Césaries. Another announcement is. Après séance oyo. It's after culte, today's service. Le raté café dehors. The tea and coffee at the back. Alors, j'allais oublier que équipe la mission de la musique. So the music group here. On allait organiser. Are organizing. Une journée de louange et d'adoration. Day of worship and praise. Cela aura lieu ici à l'église. Alors moi, ce sera le 25 août. So it'll be the 25th of August. Ici à l'église. Here at the church. À partir de 17h30. So from half five. Donc 25 août, 17h30 ici à l'église. So 25th of August, half five, here at the church. Louange et adoration. Praise and worship. Par le groupe de l'église. By the divine heart of the Father. So we are at the end. Alors nous voulons rapidement accueillir ceux qui sont venus en ces lieux pour la toute première fois. We'd like to invite anyone who's here for their very first time. So if today is your very first day, to come here. Biso église. We the church. We are happy to welcome you. We also like to know you. So if you raise your hand, give your name. So we have a brother and a sister. Here. My name is Brother Toms. I'm known here in Dublin. So I can protect myself, people know me. Come to church is not by accident. So when God gives time to speak, I'll speak. So I wanted God to show me where to pray. I stayed at home for a long time. So what the pastor preached touched me. So I was touched. I was hurt. I stayed home. I said I will not come to church. So I did not want to come to church. So I asked God to show me where to pray. If I did, I saw something. So Altiel was at home. My name is Sister Lee. So many days have gone by. I slept. I seen in this type of church.
So mother's supposed to write my name in the book. Father wanted to do what he said. As you book one, he got a book. I saw the pulpit. But what leave me alone. I was tired. God said, I'll preach you. He wrote the name of the book. That boy wrote my name in the book. He said, what do you want? I said, I said,
went to Belgium. I'm from Belgium. I came to my family. Nous passerons notre éternité dans la paix. Aide-nous vraiment, Seigneur, à être une église fidèle
toi Jésus, il est Christ qui t'honore. Bénis le chemin de tout un chacun. Programme la réunion des couples en vos collègues. Merci aussi pour l'arrivée de notre frère Gérard qui était parti au pays pour l'enterrement de maman. Pour mener la Guinée en ensemble, c'est un propos de reconnaissance. Ma clé, je ne suis pas vissé, c'est même le vrai pambo la main. Na kombo na Yesu, ba ko kopo bikisa biso, ba bula mitso lobi, amen, amen, amen.